Oh Dieu, est un jour très, très, très difficile pour moi. Il y a des jours comme ça où ça devient pénible. Tu essayes de te relever. Tu essayes de lutter, mais c'est pas possible. La femme me manque où je suis là. Ma femme aimait tellement le Burkina Faso. Et aujourd'hui, je suis là tout seul. Je voyage, je fais mes conventions tout seul. On a l'impression que tout va bien, mais que ce soit dans l'avion, que ce soit quand tu es logé. C'est tellement difficile. Il me manque tellement. Bientôt, ça va faire un an. Et j'arrive même pas encore à croire que je suis seul. C'est vrai, on dit tiens bon, mais c'est difficile. C'est difficile et souvent le matin, souvent le soir, c'est comme ça. Il n'y a rien de plus dur au monde que de perdre sa femme. Il n'y a rien de plus dur. Souvent, tu es sur les réseaux sociaux, tu fais comme si tout va bien. Pour ne pas que les gens sentent ta douleur. Que tes enfants sentent ta douleur. Mais tous les soirs, c'est pénible. Ma femme aime tellement le Burkina. Chaque fois qu'on doit venir au Burkina, elle lui dit, Camille, on va chez nous, ça va chez nous. C'est pas ce qu'elle avait avec ce pays. Elle m'a dit quand j'étais toute petite, je crois à l'âge de 8 ou 9 ans. Elle était venue en vacances ici, quoi, voir un de ses oncles. Et depuis ce temps, elle était attachée à ce pays. Je crois l'année, je suis passé, on a même fait 2 conventions ici, à cause de maman. Aujourd'hui, je vais au Sénégal seul. Je vais au Togo seul. Il y a la présence des enfants, mais... Ah, Seigneur, tu m'as vraiment pris. Ah, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Quand je vois aujourd'hui des couples, des petites incompréhensions qui sont prêts à se diviser, à divorcer, pendant qu'ils savent qu'ils s'aiment, c'est parce que vous n'avez pas encore perdu l'un. Quand l'un partira, c'est là que vous allez sentir. Moi aujourd'hui, je bénis Dieu parce que je n'ai aucun regret. J'ai traversé des moments très difficiles avec ma femme. Mais les 3 et 4 dernières années, si ma femme était partie, puis dans les moments d'incompréhension, dans les moments difficiles, je vous dis que malgré que j'aime Jésus, j'allais me suicider. Si ma femme était partie et que je savais qu'elle était partie malheureuse, par ma faute, je ne pense pas que j'aurais continué de vivre. Mais je bénis Dieu parce que toutes mes erreurs, ma femme me les a pardonnées. Parce que j'ai appris
à l'aimer telle qu'elle était, à lui donner tout ce qu'elle voulait. Et aujourd'hui, maintenant, c'est au tour des enfants. Si je dois tout donner, pour ne même pas que j'ai un jour un regret, c'est... Je ne vous le cache pas, je ne peux pas vous le cacher. C'est vrai que certaines personnes me disent que je suis fort, je ne le cache pas, mais... Il y a des jours où... Tu dors, tu te réveilles, mais pas là. Oh Seigneur, c'est...